Hey hey, salut mes petits culs et bienvenue pour un nouvel épisode de House Flipper. Alors comme je le tourne en avant cet épisode, je ne sais pas du tout si vous avez aimé ou pas la maison que j'avais refaite la dernière fois. Donc vous voyez, 14 septembre, donc je dois avoir genre 2 semaines d'avance là sur ce que... Voilà. J'en profite, je suis en vacances, donc je continue à avancer. Bon, aujourd'hui, ça va être une mission, tout simplement. On va faire peut-être une fois sur deux une maison à rénover, histoire d'avoir un peu de pécule pour acheter une maison et avoir encore plus de budget pour la rénover. Salle de bain et atelier. Je sais pas, maison à rénover, ça c'est beaucoup. Demande de nettoyage de la maison, peinture dans la maison, chantier de nettoyage du garage, maison kitsch. Je n'y connais rien en animation, j'ai besoin... Allez, on va prendre le dernier. Bonjour, j'ai acheté une grande maison qui doit être entièrement rénovée. Malheureusement, mon mari m'a quittée. J'ai récupéré les enfants et je n'y connais rien en rénovation ni même en nettoyage. Il est possible que je revende cette maison, mais pour faire un bénéfice, il faudrait au moins que la maison soit habitable. Nettoyer toute la maison, peigner les murs d'une belle couleur claire. Le mieux, ce serait de peindre le couloir en orange clair. C'est horrible. Changer les toilettes et poser des radiateurs dans chaque pièce. Chaleureuse salutation, Anne Denis. Super, on va y aller. De souhaite. Et voilà la jolie maison à retaper. Désolée pour le zozotement, je l'ai bien entendu dans mon casque, hein, donc j'ai arrêté l'enregistrement pour le relancer. Et je m'excuse du zozotement, je ne sais pas pourquoi, alors je viens d'enregistrer quelque chose qui n'a pas zozoté, donc mon super casque a l'air de fonctionner parfaitement. Ok, on va sortir le super balai. Le super balai que le monde entier nous envie. Ok. La crasse. Ah non, c'est sur la porte. Ok. Ici, c'est propre. Et il faut peindre avec les couleurs orange ensoleillées. On va le faire tout de suite. Comme ça. Bah oui. Oui. Alors. Orange ensoleillé. Bon, je suis pas dans peinture, bien sûr. Hop. Biscuit claireux. Petite erreur. Orange ensoleillé, c'est ça Oh, c'est affreux. Je veux pas dire, mais je trouve ça moche, moi, perso. Allez, on est parti. Oh. Et voilà! En pas longtemps, on a tout refait déjà dans cette salle, dans cette pièce. On va ouvrir. J'ai crade. Bon, la chaise. Ah, la chaise, on peut la laisser dans la maison. On va peindre avec la couleur pêche velours. J'ai envie de la poser quand même. Bien sympa. Pêche velours, vous avez dit. Ah, faut poser. Alors, attendez, je sors mon super balai déjà quand même. Faut bien nettoyer un petit peu. Et donc, c'est pas la pièce la plus crado, hein. Voilà, la pièce est maintenant propre. C'est donc pêche-velours. Pêche-velours, c'est ici. Oui, ça... Pff. Si je vais nettoyer la peinture avec mon balai. Alors, on est parti. Et voilà, la peinture c'est fait. Il faut nettoyer la fenêtre. Ouhouhou, mon moment préféré. Chouk, chouk. Youp, youp.
Okay. Hop, la deuxième. C'est toujours un peu du nawak. Et encore un coup. Ah, et ok, c'est bon. Oh, on peut ouvrir. On va ouvrir un petit peu. On va aérer, hein. Ça sent trop la peinture. Monter les équipements. 4. 4 équipements dans cette pièce. Ça risque d'être compliqué. Acheter un radiateur. Bah oui, c'était. Oh, bah c'était étonnant, tiens, un radiateur. Et c'est quoi qu'il faut monter d'autre? Ah, mince. C'est les prises? Ah oh, oui, c'est ça. Oh! Surtout que moi, je m'y connais tellement bien en électricité, vous avez pas idée. Et le petit bitonio du milieu. Oui! C'est où? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, madame? Ah, il faut mettre des ampoules? Ah non, parce que là, j'allais partir sans regarder quoi. D'accord, ok, 100%. Faut le savoir hein, quand même. Hein. Cette porte, c'est fait. On va passer à la prochaine. Tchouk. C'est magnifique, dis donc. Je suis ravie. Il faut nettoyer. Là, le petit carton. Et on va passer le balai. Magnifique. Magnifique chambre. Des grandes fenêtres cette fois-ci. C'est pas des petits trucs riquiqui tous les. Oh, j'astique, mais ça sert à rien. Peindre avec les couleurs cobalt maussade. Monter les équipements, nettoyer la fenêtre. Ok. Alors on va faire déjà le radiateur. Ah, homme à tout faire. Montage. Nia, nia. J'étais à deux partout. On va monter encore plus vite. Comme ça, c'est fait. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Ah oui! Beaucoup plus vite, effectivement. Nickel, voilà, j'ai déjà fait ça. On va nettoyer la vitre tout de suite. Oh, bonheur de nettoyage de vitre. Nettoyage de vitre, ça va pas aussi vite que quand c'est. Je sais pas qui nettoie. Ah, ouais, j'ai une grosse trace. Oh, bah, c'est pas grave, ils ont validé la grosse trace. On dira rien. Attention. Chouk. Hop. Hop. Mes virages sont pas parfaits, donc du coup, mon nettoyage n'est pas parfait. Il faut juste peindre ici maintenant. Peindre avec cobalt maussade. Ok, peinture. Cobalt maussade. C'est un bleu brouillard gris. Cobalt maussade. Ouais. Peut-être celui que j'avais pris pour la maison, le bureau, je crois plutôt. Allez, go! Et ben voilà! Ah, il manque 2% quelque part. Oui, c'est là-bas. J'avais pas fini exactement. Hop! Et voilà, on a tout repeint, madame. C'est sûr que ça a meilleure allure, hein, une fois nettoyé, tout ça. Il n'y a pas à dire, hein.
Hop, on ressort dans le magnifique couloir orange. Ici, je suis sûre que c'est une salle d'eau. Ouais, de toute façon, je me suis spoilé avec la minimap, mais... Wouhou! Le balai magique! Oula, mais qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'au plafond? Le joli toilette vert. Ah, bah ça, je vais devoir monter un toilette, tiens. Tac, tac, tac. Il va falloir tout carreler et tout, ça va prendre tellement de temps. Ok. Il y a encore un peu de crasse. Ici, c'est bon. Il est encore là. Je sais pas où. C'est bon. Appuyez pour jeter. Je jette. S'il suffisait de le dire aussi facilement, on va... oui, acheter un petit radiateur de mon cœur. Maintenant que ça va encore plus vite pour les installer. Oh là là, la vitesse, j'arrive limite même plus à suivre, quoi. Voilà, ça c'est fait. Ça, on n'utilise pas. Oh là là, c'est dégueulasse. On va mettre un petit toilette ici. Ça te va. On va faire un petit toilette. Tranquillou bilou. Et on va l'installer. Voilà, et rien de plus simple. Et ici, on va un lave-linge. La lave-linge, il me semble qu'on l'a déjà fait dans une autre mission. Petit lave-linge dans électroménager. Voilà. Tac, tac, tac. Et avec bonheur, on va l'installer. On enlève les gros boulons. Voilà. Pour remettre la plaque et remettre les vivices. C'est super. Là, on doit deviner que c'est ici. Puis resserrer. Et le petit mitonio. Non, c'est vrai qu'il faut faire ça avant. Comment vous pouvez le savoir, hein? Et ça, c'est ça. Hop! Ok! Il se met tout seul. On doit nettoyer la fenêtre encore. Ah, je vous jure. Super! Poser des carreaux de sol carrelage en céramique gris. Ok, poser des carreaux de sol carrelage en céramique gris. Carreaux de sol. En céramique gris, carré gris, non, gris tout court, gris tout court, ça doit être ça. Franchement, j'aime beaucoup poser le sol parce que vous faites un clic et un clic. Voilà, moi je vais faire les choses bien, je veux aussi mettre ça là. Voilà, et oui, c'est sous la porte, donc on s'en fiche. Moi, j'aurais pas. C'est pas forcément le plus beau, hein, celui-là. Posé et carreaux de mur, carrelage mural en céramique vert foncé et carrelage en céramique gris. Alors, céramique vert foncé et céramique gris. Céramique vert foncé. Ah, c'est mon chouchou, celui-là. Et céramique gris. Du coup, je pense que c'est cela. On va en acheter deux de ceux-là, parce que je pense que ce sera l'essentiel de la salle de bain. Et on va faire du verre, peut-être central, genre deux bandes de verre. Peut pas rentrer dans la douche. Pas rentrer dans la douche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on va commencer à plâtrer là où on peut. À plâtrer. À poser les carreaux.
Voilà pour ce côté. Je vais mettre déjà le verre ici. Ça fera un peu comme dans mon bureau, hein. C'est pas centré avec le toilette. Mais si je rajoute une bande là, ça va faire décentrer. Rien, on est d'accord. Ah, puis j'ai pas fait le haut là. Bah, je suis obligée de poser le verre. Oh! Attendez. Tac. Ah ouais. En fait, ça va pas du tout être centré avec le. Tant pis. Hein. Je vais en mettre 4 ici. Ça va être. Ça va être avec. Ou alors je fais un mur entier. En verre. Peut-être, ouais, ce sera peut-être mieux. Occuper de la fenêtre avant. Là, ça pouffe une tuile entière pour juste ce morceau, quoi. C'est un peu chiant, par contre. Il devrait permettre à ce qu'on puisse. Ouais, écoutez, je vais faire tout en vert. Allez, on est fou. De toute façon, il faudrait bien que je l'utilise, ce paquet. Voilà. Pour deux. Puis bah, il y a les côtés aussi. C'est toujours un truc moche. Ça grimpe pas sur le côté en fait quand je fais le rebord de la fenêtre. En fait, c'est pas du tout. Ah, j'en ai plus. C'est pas du tout utile. Je vais racheter des grilles puis je vais finir le contour de la fenêtre. Sinon, j'ai pas trop le choix. Ah, il faut que je le prenne. Oui, alors si je prends pas l'outil, on a fait sûr que ça va pas aller. On est d'accord que là, je vais recouvrir. Bon. On n'a pas dit que ce serait joli, hein. On a juste demandé de carreler, hein. Avec le truc, le rebord vert. Mais ça me dit 100%, maintenant. J'ai même pas besoin de faire les petites bandes là. Donc tant mieux. Non. Voilà. On va mettre ça dans l'entrée, hein. On vous met tous les déchets ici, madame. Alors, fou. On n'a pas encore fini, hein. Il nous reste deux portes. Maintenant, tu peux poser le carreau sur le mur. Oui, mais non, en fait. Oh, ça m'embête. Il ouais, faut bien que je me débarrasse, sinon ça bug. Ok! Magnifique petite maison. Oui, alors. Si je prends pas les bons outils, je vais pas y arriver. Ok, on a déjà acheté toutes les saloperies. Maintenant, on va passer un coup de balai magique. Balai magique. Je pense qu'ici, il va falloir. Repeindre. Même le canapé, il a retrouvé sa fraîcheur d'antan. Oh là là, je sais pas ce qui s'était passé sur les fenêtres, mais. Voilà. Ah oui, j'ai vu. Il faut faire aussi les lampes. Ouais. Maintenir pour ramasser. E, j'ai fait E. Ouais, d'accord. Voilà. Non.
Ça fonctionne! Tout, 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 un petit radiateur en plus. Ah bah, sacrée mission quand même, hein. On va pas se cacher, hein. L'impression de refaire une rénovation entière. Voilà, ça c'est fait. Il faut nettoyer les vitres. Mon passe-temps favori. Vous savez à quel point j'aime ça. Oh, mais dis donc, je m'y prendrais presque bien sur cette vitre-là. Oh, je suis choquée. J'ai fait un sans faute sur cette vitre. Mais non, quoi. Ça n'arrive jamais. Attention. Mais. Oh, 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 oh. Oh! Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Peindre avec les couleurs café au lait et monter les équipements. Ah, ça doit être une prise. Excusez-moi, j'étais debout sur le canapé. Ah non, ça doit être ça. Faut que je bouge le canapé. Voilà, on a bougé le canapé. Ouais, c'est ça, la prise. Hop. La passion. Tchouk. Tchouk. Et tchouk. Alors, ne me demandez pas, hein, ça se met automatiquement. Hein, c'est ma main qui sait où mettre, parce que sinon, ça serait mal barré. Vous serez électrocuté, et en plus, vous foudrez le feu à tout le quartier. Donc, ok, c'est bon. Petit canapé. Tu peux retourner là où tu étais. Voilà. Et maintenant, café au lait. C'est parti pour la peinture. Café au lait. Oh, c'est pas beau, hein. Je vais en prendre un deuxième tout de suite. Je pense que j'en aurai besoin de deux. Et on est parti pour la peinture. À toute allure. Et si je suis coincée. Ah bah, c'est bon, j'ai fini. Je pensais qu'il m'en restait. Bon, voilà, hein. C'est pas hyper beau, c'est pas ce que je préfère, moi, en couleur. Mais bon, hop, on sort de la pièce. Oui, je sais, j'ai ma manie de vouloir ouvrir et fermer les portes. Et dernière pièce, c'est la petite cuisine. Oh non, des cafards! Oh mon Dieu, pas des cafards. On va allumer pour voir où on en est. Le petit bruit qui va bien des cafards. Si vous avez le cafard, sortez l'aspirateur. C'est par là, c'est ça. Oui, le plafond. C'est bon, il n'y a plus. Ok. Yeah. Oh, c'est hyper plus rapide. Je ne sais pas si ça doit être avec mon bonus amélioration que j'ai dû. Oh, par contre, ça donne toujours le tournis. J'ai toujours un peu de mal à me diriger. Oui, j'ai beau avoir tué une cafard, il m'en reste quand même beaucoup. Donc, excusez-moi, mais là, je les aspire tous. Hein.
C'est bon? Il n'y en a plus? Moi, j'ai mon super balai magique, hein, s'il faut. Je les nettoie et je les astique, moi. On va faire tout de suite la vitre. Pendant qu'il fait nuit, maintenant, sur le jeu. Qu'on voit pas trop, hein, la di... Ah, si, quand même, là. On voit la belle différence entre le crade et le pas crade. On va pas se mentir. Hop. Oh, je commence à développer un skill, c'est là ou quoi? Ah, je suis trop forte. On peut bien se monter la tête un peu. Et un petit... oui, si je l'achète pas, on aura du mal à l'installer. Le radiateur. Le radiateur. Ah, tu me casses les pieds, il faut que je bouge la chaise. C'est bon. Cet homme a tout faire. Il peut peindre sans déplacer les meubles, mais placer un radiateur sans déplacer, sans bouger une chaise, il peut pas. Eh oui. Et maintenant, peindre en blanc. Elle est pas terrible cette lumière. Elle est très glauque, je trouve surtout. Allez, on va prendre de la petite peinture et ce sera bon pour cette mission. On aura bien avancé quand même. Hop, le petit pot en blanc. Et c'est parti. Mais putain, faut que je rachète un pot. Pour quasiment rien. Oh. Snawak. Regardez-moi ça. Il faut juste ça. Voilà, j'ai racheté un pot juste pour ça. Hein? On est content. On est ravis. Bon. Eh bien, cette mission est amplement terminée. Tac. Je m'en vais. On peut pas vendre... Donc je suis obligée de laisser toutes les merdes comme ça. Bon, je vais être sympa, je vais au moins fermer la porte d'entrée. Et on va gagner 17 000 euros sur cette mission. C'est énorme! Regardez, la nuit! Elle est vraiment mignonne, cette maison avec ses briques comme ça. C'est à voir pour l'avenir si on refait la même. J'avais laissé la fenêtre ouverte ici, mais super, très bien. Allez, go! Oui, on termine la mission. 17 000 euros. Wouhou! Et nous revoilà dans notre maison. On est à 95 000 euros. Oh, c'est huge. Huge, huge, huge. Oh, on va pouvoir allumer notre... Hein? Hein? C'est pas magnifique? Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est ma maison. C'est comme ça. Voilà. Avec un peu de manger, tout ça. Manger du thé, du thé. Du thon et du riz. Bon, et moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et bah, la semaine prochaine, je pense que je vais racheter une autre maison et je vais la rénover. Je vous embrasse très fort et à la pro bientôt pour la suite de House Flipper ou d'autres choses. Allez, salut!